de m'avoir suivi, c'est dangereux. Je fais partie d'une bande, c'est des mecs qui rigolent pas. Je suis tricard en bête depuis que je préfère la gym à la baston, figure-toi. Quoi, tu joues là? J'ai pas fini mon entraînement. Alors je m'entraîne. Alors, t'as de nouvelles? Comment il va? Tu prends en compte ce que je veux dire? Il est mort. Et plutôt deux fois qu'une. Putain. T'es dans la merde, hein? Putain, c'est pas possible, merde. Putain, c'est pas possible, je vais prendre au moins perpète. Sans moi, j'ai rien à foutre, c'est un mec des quartiers est. Qu'est-ce qui arrive, là? Mais je comprends plus, il est mort ou pas? Mais non, il est pas mort. Putain. Putain, mais... Putain, mais t'es fou ou quoi? Ouais, on a bien ri ou pas? Putain, coup de genou, coup de truc. Il y avait du sang de partout. J'ai trop kiffé. Bravo. Hop, oh, assuré. Y'a pas à dire. Et s'il me balance? S'il me balance? Ah, s'il me balance là, il est mort. Dans le mystère maintenant. Tu m'embrasses pas. T'as l'air d'un paquet cadeau. Mieux vaut avoir l'air d'un paquet cadeau qu'un paquet de linge sale. Je t'ai pas lavé depuis quand? C'est pour me faire chier que tu veux me voir? Bon, allez, man, je suis pressé là. Faut toujours que tu bouges. On dirait que tu fais tout pour m'éviter depuis. Ah oui, vas-y, on s'affiche pas ensemble, s'il te plaît. Ok? Même ici. T'es comme tous les garçons du quartier. Un lâche. Bon, t'as rien d'autre à me dire? On va déménager de l'autre côté. Ah bon? Côté est? Toi? Quand ça? Pour l'instant, on est sur liste d'attente. Tu viendras me voir? Enfin, du coup, tu m'excuses, mais j'ai un rencard, là. Avec qui? Comment t'es faite, toi? Si je pouvais être aussi souple. C'est à cause de ton handicap? Mon handicap? Mmh. J'ai pas d'handicap. C'est pas ton corps qui manque de souplesse. Ta tête. Viens, on peut pas rester ici. J'ai pas fini mon échauffement. Et Théo? Tess, j'ai envie de toi grave. Pas ici, pas comme ça. Je suis contente que t'aies tombé l'idée de créer un mouvement. Ça y est, j'ai compris. C'est toi qui renvoies ton père pour me faire la morale? C'est Tess, t'es belle, mais ce que tu fais, c'est pas très joli. Pourquoi pas moi? Tout le monde a droit un jour à son quart d'heure de gloire, non? Choisis. C'est le mouvement, moi. J'y crois pas, on me l'avait jamais fait de celle-là. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est 100 fois plus dangereux de faire partie d'un gang que de se casser le cul à faire un nouveau mouvement. Un gang? Ouais. Mais tu te prends pour qui? Va à ton balcon, imprime dans ta petite tête qu'il faudrait que tu t'élèves jusqu'au premier étage, déjà. Ça va te calmer. Vas-y, ça casse.